est sœur, moi c'est Sophia. Moi c'est Selena. On forme un duo musical, duo qui est une fusion de nos prénoms, un mélange de nos caractères et de nos personnalités. On propose une chanson française aux sonorités urbaines, accompagnée de textes très réalistes et assez bruts. Et on vient tout juste de sortir notre album qui s'appelle Les Géantes Bleues, et le voici. On a eu la chance d'avoir été sélectionnés pour représenter la Fédération Wallonie-Bruxelles aux Jeux de la Francophonie. On était en compétition avec 20 pays francophones. On a d'abord participé à la demi-finale sur une scène d'une très belle salle de concert devant le jury et devant tous les participants. Ensuite, on a été sélectionnés parmi les 5 finalistes. On a pu jouer sur la grande scène au Palais de la Culture d'Abidjan devant plus de 4000 Ivoiriens et Ivoiriennes, les délégations invitées. Et durant notre passage, c'était vraiment incroyable, ils se sont tous levés. Ils ont dansé, ils nous ont renvoyé une énergie dingue et c'est vraiment un moment qu'on n'oubliera jamais. On a remporté la médaille de bronze et on était super fiers de faire partie des 3 lauréats. On est monté sur le podium et on est revenu chez nous avec cette médaille et c'était juste grandiose. Selena et Sophia, le groupe est entré dans le cœur des Abidjanais, ça c'est sûr. Notre manager nous a inscrites en secret et il nous l'a annoncé, c'était quand encore ? C'était en répète. Ouais, pendant, oui, répète. Pendant une répète et j'en revenais pas en fait, on n'en revenait pas et on était super contentes de pouvoir y participer. L'ambiance sur place, elle était juste dingue. On vivait tous dans un petit village qu'ils avaient créé spécialement pour cet événement. C'était convivial, chaleureux. Ils nous ont mis super à l'aise et on s'y sentait comme chez nous. En plus, les Ivoiriens et les Ivoiriennes, ils ont une culture tout autre que la nôtre. Ils sont beaucoup plus posés, font les choses beaucoup plus calmement. Et c'était aussi top de pouvoir rencontrer différentes cultures de différentes disciplines parce que le sport était mélangé avec la culture. Et du coup, c'était vraiment très diversifié et c'était très enrichissant pour nous. On est rentrés chez nous avec une belle leçon de vie. C'est sûr. Personnellement, le fait de vivre de manière complètement différente, surtout au niveau du temps, ça m'a un peu chamboulée. C'était genre impressionnant. Et quand je suis rentrée ici, j'ai coécrit le texte « Je cours après le temps » en pensant à cette expérience. Je suis rentrée aussi ici pleine de souvenirs et pleine d'énergie positive parce qu'ils m'ont vraiment donné l'envie de lâcher prise sur certaines choses pour lesquelles je voulais tout le temps avoir le contrôle. Et je me rappelle aussi du stress que j'ai ressenti avant de monter sur scène et avant de rentrer dans l'avion parce que je déteste prendre l'avion. Et c'est vrai que ça m'a permis d'acquérir une certaine confiance et de m'assumer un peu plus. Ce qui m'a le plus touchée, ce sont les rencontres avec les Abidjanais, découvrir leur culture, leur manière de vivre. Ils nous ont donné beaucoup d'amour et d'énergie. Je pense que ce concert restera un des meilleurs souvenirs de ma vie, avec l'énergie du public qui était vraiment folle. J'en suis vraiment rentrée grandie de ce voyage. Médaille et de toute cette expérience, il y a aussi un soutien non négligeable de l'OIF, donc qui est l'Organisation internationale de la francophonie pour notre projet. On a reçu une aide financière cette année pour la promotion de l'album qui est sorti en janvier 2021 et qui s'appelle donc Les Géantes Bleues. Les Géantes Bleues qui sont de grosses étoiles très très brillantes et super importantes pour nous parce qu'elles émettent une certaine énergie et on pense aux personnes qui sont là-haut, on les associe aux personnes qui sont là-haut et qui nous renvoient une force. Et cette aide nous permet aussi de réaliser un clip, de pouvoir étendre la promotion de l'album sur d'autres territoires francophones. On a aussi pu retravailler notre répertoire en résidence pour pouvoir proposer le meilleur de nous-mêmes dès la sortie de la crise. Et c'est vrai que cette aide, elle est super précieuse et super importante parce qu'en fait, elle nous a permis de rester la tête hors de l'eau et de continuer malgré cette crise sanitaire. En tout cas, c'est une expérience qu'on ne vit qu'une fois, qui est super enrichissante, très folle et chaque moment est unique. Profitez-en à fond, c'est gratifiant et on vous souhaite de revenir avec une belle médaille. Salut, salut.